Bien, on peut avouer que les textes de la parole de Dieu d'aujourd'hui résonnent de façon particulière dans la situation que nous vivons, parce que nous savons que nous sommes très très proches de Lazare, nous aussi, enfermés, confinés dans nos tombeaux, confinés dans nos maisons, et on imagine très bien Jésus qui nous dit « Sors ici », on attend ça d'ailleurs, on imagine que enfin on pourra revenir à la messe, enfin on pourra revoir la communauté, enfin on pourra boire des bières ensemble. Et puis on imagine très bien aussi Lazare qui répond « Il faut que je coche quelle case pour sortir ?» Donc voilà, nous sommes très proches de Lazare et nous faisons l'expérience très forte en ce temps de carême qui nous approchons de la passion, de ce que c'est qu'un tombeau et de ce que c'est que d'être enfermé et du coup de ce que c'est qu'est d'être libéré. Et bien de voir notre situation et de voir la situation de son ami Lazare, Jésus, ça le fait pleurer, ça le fait éprouver un sentiment très fort. Et on pense beaucoup à ces larmes de Jésus dans cet épisode-là, parce que, à ma connaissance, c'est la seule fois où on le voit pleurer dans l'ensemble de l'Évangile. Il pleure, il verse des larmes, et il est saisi d'une... Il a le cœur retourné, il est saisi d'une très profonde émotion. Et du coup, la question, c'est pourquoi pleure-t-il ? Pourquoi pleure-t-il ? Alors, les Juifs pensent qu'il pleure parce qu'il aimait Lazare, c'est possible, c'est probable même, mais il sait très bien que Lazare va ressusciter, qu'il va le ressusciter. Du coup, je pense qu'on peut trouver trois raisons pour lesquelles Jésus pleure et particulièrement ému en ce moment-là. Trois raisons qui peuvent nous amener à nous un enseignement dans le confinement que nous vivons maintenant. La première raison, c'est que Jésus pleure probablement parce que les gens qui sont là, Marthe, Marie et les autres juifs, n'attendent rien de lui. Ils ne lui demandent rien. Et lui, il leur dit « Je suis la résurrection, je suis la vie, Lazare va ressusciter, Lazare s'est endormi, mais en face, pour eux, il est déjà trop tard. Il dit « Si tu étais venu, il serait vivant, mais maintenant, c'est trop tard. » Voilà, je pense que Jésus est attristé du fait que les personnes qu'il rencontre et qu'il aime tant ne lui demandent rien, ils n'attendent rien de lui. Et probablement, c'est là le motif de ses pleurs et de cet état intérieur. Et pour nous, évidemment, on en fait l'expérience, quand on n'attend rien de quelqu'un, c'est que dans le fond, on n'a pas vraiment confiance en lui et qu'on n'a pas besoin de lui. Quand on n'attend rien du service après-vente de la poste, quand on n'attend rien de notre ami, quand on sait, voilà, c'est qu'on n'a pas confiance. Eh bien, ne rien demander à Jésus, ça lui fait beaucoup de peine, parce que ça révèle, en fait, notre manque de confiance en lui. Et je pense que particulièrement dans ce temps difficile pour nous, c'est l'occasion de demander à Jésus, d'attendre quelque chose de lui. Viens transformer ma vie, viens apaiser mon foyer, viens nous donner la liberté en ce temps où nous sommes confinés, viens guérir les malades, viens ressusciter les morts. Voilà, ça c'est la première raison. Il pleure parce que nous n'attendons rien de lui, parce que Marthe et Marie non plus. La deuxième raison, c'est qu'il pleure parce que décidément, cette mort vient contrecarrer son projet de vie. Et donc il pleure après la mort, il est pris au fond de lui-même à cause de cette mort qui vient lutter contre le plan de Dieu. Et donc, c'est important pour nous de savoir qu'il n'a pas voulu la mort de Lazare, qu'il n'a pas voulu la mort, qu'il n'a pas voulu le coronavirus et le confinement, et qu'il pleure intérieurement parce que ça vient contrecarrer ses projets de vie sur nous. Mais néanmoins, il sait que par la puissance de Dieu, il va pouvoir retourner cette situation pour en faire jaillir la vie. Il va pouvoir ouvrir le tombeau de Lazare. Il va pouvoir faire profiter de ce temps particulier que nous vivons pour faire jaillir la vie dans notre communauté, dans notre vie, dans nos foyers. Et c'est ce que disait le père Jean-Eudes la semaine dernière. Mais nous avons, je pense, à la suite de Jésus, à trouver les moyens pour que, avec sa puissance, ce temps de confinement devienne un temps de vie pour notre communauté. Peut-être un temps d'approfondissement de la foi, un temps de recentrage sur l'essentiel, sur la prière en famille peut-être. Peut-être de renouer des relations par téléphone que nous avions oubliées pendant cette semaine,
certains d'entre vous de la paroisse témoignaient qu'ils avaient pu, à l'occasion de l'applaudissement de 20h, renouer avec leurs voisins, ils avaient pu faire des courses pour les personnes âgées autour d'eux. Et je crois que si les chrétiens de Cormeil et de La Frette deviennent les locomotives dans leur rue de cette vie qui naît malgré le confinement, eh bien le Seigneur n'aura pas envoyé pour rien notre paroisse au sein de cette ville, de ces villes qu'il aime tant. Je crois que nous avons une mission de joie à apporter au monde, de ne pas nous laisser gagner par l'anxiété des journaux télévisés, mais d'être autour de nos voisins, des ferments de joie, des ferments de vie, pour que le Seigneur puisse transformer cet état de mort en état de vie. Et puis la dernière chose pour laquelle il pleure, c'est qu'il sait quand même que transformer et ouvrir le tombeau de Lazare, ça va lui coûter cher, lui. Il connaît le prix du salut et de la libération qu'il va nous donner. Et en fait, en ressuscitant Lazare, il sait pertinemment qu'il va être condamné à mort par les chefs des Juifs. Et c'est exactement ce qui se passe dans les quelques lignes que vous irez voir qui suivent notre évangile. C'est le moment où, à la suite de la résurrection de Lazare, les grands prêtres décident de tuer Jésus. Donc en fait, à ce moment-là, où il est pris intérieurement, Jésus vit ce qu'il va vivre à Gethsémani. Et d'ailleurs, dans l'évangile de saint Jean, l'épisode de Gethsémani est très court. C'est ici, en fait, le Gethsémani de Jésus. C'est ici qu'il est pris intérieurement, parce qu'il sait très bien que s'il ressuscite Lazare, il va le payer tout de suite après, et qu'il va mourir pour lui. Et donc, il est en train de choisir, à ce moment où il va ressusciter Lazare, de donner sa vie. Et c'est pour ça qu'il vit cet état de combat intérieur, ces larmes aussi, qui sont celles du combat spirituel avant de se donner. Eh bien, pour nous, c'est l'occasion d'abord de dire que transformer notre confinement en lieu de vie, ça va nous demander un effort. Et surtout, nous pouvons le faire parce que Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Et ça vient faire naître en nos cœurs certainement un sentiment de gratitude pour ce Jésus, pour ce Dieu qui nous aime tant et qui vient faire porter la vie dans les ferments de mort de notre monde. Eh bien voilà, peut-être que pour finir et pour cette semaine, je vous invite à choisir l'un de ces trois points, un de ces trois axes d'effort. Donc premier point, c'était de demander quelque chose à Jésus, d'attendre quelque chose de lui. Deuxième point, d'être les locomotives de joie dans nos quartiers. Et troisième point, d'être plein de gratitude pour la façon dont le Seigneur donne sa vie pour nous. Voilà, choisissons chacun un de ces trois points et décidons d'une petite chose à faire cette semaine pour aller, pour approfondir ce point-là, pour que vraiment cette parole de Dieu aujourd'hui, elle ne parte pas sans avoir transformé notre vie, sans avoir transformé notre cœur. Et ainsi, le Seigneur sera glorifié. Amen. Thank you.